Hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit challenge que Pixia a créé il y a quelques mois. Elle l'a fait cet été et il s'appelle Challenge de la vie parfaite. C'est-à-dire qu'en 30 minutes chrono en jeu, nous devons trouver à notre Sims fraîchement débarqué, eh bien, une vie parfaite. Il faudra donc le marier, avoir de l'argent, donc il faudra s'attaquer à quelqu'un de riche. Il faudra aussi donc une maison qui va avec, hein, bien sûr, faire un enfant et avoir un animal de compagnie, tout ça en 30 minutes de gameplay. Bon, bah écoutez, on va s'y mettre. Je vous link bien sûr la vidéo de Pixia dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. On emménage donc à San Michuno avec Jacob Prieur, qui va aller habiter dans le 17, maison du piment. Et c'est parti. Jacob est beau, Jacob est jeune et Jacob a beaucoup de rêves dans la tête. Il rêve d'une vie parfaite, d'être riche, aimé, avoir un bébé on the way, un animal et surtout une belle baraque et du pognon. Bah oui, un peu comme tout le monde quoi. Enfin bon, à voir quoi. Vous voyez qu'il est très stylé, il est très beau gosse. Au niveau de ses traits de caractère, il est paresseux parce que franchement, faire le ménage, travailler tout ça, c'est pas pour lui. Il est sûr de lui parce qu'il sait qu'il va réussir. Et il est romantique, tout ça pour emballer des jolies proies. Son aspiration est forcément incroyablement riche et pour l'instant, bon bah, il a validé un 10 000 en réserve parce que j'avais laissé, j'avais fait un petit free real estate, mais je lui ai remis les fonds à 1500 simfoons. Il va habiter dans ce magnifique appartement de qualité premium. Mais c'est pas ce qu'il veut au fond de lui, parce que lui, il veut au fond de lui, c'est découvrir l'amour, le vrai, d'une jeune dame avec beaucoup de pognon. Ouais. Alors, j'ai quelques sites dans ma tête, des Sims qui auraient de l'argent, donc ça va être les Plenosa, ça va être les Gothiques et ça va être également les Feng. Et oui, parce qu'ils ont un énorme appartement à San Michuno, donc peut-être essayer de cibler l'une de ces dames-là. Forcément, elles sont toutes mariées, donc ce sera un challenge supplémentaire. C'est parti, j'ai mon petit chrono à 30 minutes et ben écoutez, ça va être pas de la tarte, je le sens, cette histoire. Jacob est prêt, moi pas trop, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et on va se mettre en route dans 3, 2, 1, c'est parti, c'est parta. Je mets tout de suite en vitesse 3, ou presque. Ah, ça bon, c'est qui fait beau, tu vas venir déjà ici, enfin beau, c'est relatif. Hein. Tu vas venir là et on va voir ce qu'il y a comme demoiselle que l'on peut choper, chopa. On a elle, Katrina Caliente. Tu vas lui dire bonjour. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Qui es-tu? On ne sait pas, on ne te connaît pas. C'est toujours ça de prix. Oh, elle a l'air vénère. Tu vas illuminer sa journée quand même. Tu vas quand même essayer de discuter avec elle. Ça peut quand même le faire. Clément Givre, non merci. Ok, bah tout, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Clara Bjergsen. Ouais. Bon, elle a aussi des gosses, je crois, mais bon. Elle a une maison, à Winnenburg. Pourquoi pas? Allez, monsieur Feng ici. Ouais, mais c'est pas sa femme. Je préférais voir directement sa femme. Mais c'est pas grave, on va essayer de voir. Bon, on n'a pas l'air de bien s'entendre avec elle. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Oui. Mais elle a l'air énervée, hein, cette meuf. Oui, bon, elle a l'air de se calmer. On va faire connaissance. On va lui raconter une blague sur les canards, parce que c'est toujours très drôle, les canards. T'as pas dit bonjour à Clara? T'exagères? C'est pas un prix de beauté, mais... Bon. Y a pas un gothique qui passe dans le coin, histoire qu'on puisse aller chez eux après? Oh, ouais, elle a l'air de s'être calmée, Katrina. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est sympa avec elle, il faut. Alors, Clara. Comment vas-tu, Clara? On va se plaindre du vent, parce que c'est vrai que c'est chiant. On va faire connaissance. Elle va se renier sur ses goûts en manière de décoration. Elle est proche de sa famille, elle n'aime pas la décoration bohème, ça me dérange pas. Faut pas qu'on perde trop de temps. Là, il n'y a pas trop de cible. Il n'y a pas de cible du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Oh, mon Dieu. Une catcheuse. Ouais, j'ai pas beaucoup de monde. A priori, va falloir qu'on aille chez les Bjergsen ou les Caliente. Eh ben, on y va. Où habitent les Caliente? Ah non, ils habitent à Oasis Springs, c'est vrai. Ils habitent là. Ouais, remarque, il y a le choix. C'est pas des prix de beauté, les meufs, mais on y va. Ah bah salut, ma douce, comment ça va? Tu t'es toujours aussi énervée? Pourtant, je pensais t'avoir calmé un petit peu, mais bon. Hein? Oh purée, mais elle est encore en colère! Mais c'est quoi cette meuf? Wesh! Discuter de la colère. Va raconter une blague. Mais elle est revénère, mais ça allait bien, mais non, ça va plus bien du tout, quoi. Comme les poils. Ça va pas du tout, en fait, hein. Tu vas frapper à la porte. Elle, on va pas se marier avec elle, moi je vous le dis, hein. Alors, on a Dina qui est là. Ouais, ça va, ils ont de la thune quand même, ils ont une grosse baraque, hein. T'as elle, et t'as elle.
Nina, vas-y, tu vas aller... Ouais, mais Nina, elle est moche. Ouais, et puis tu me diras, Dina, elle est pas terrible non plus, hein. Ouais, non, c'est la plus mignonne des trois. Laisse tomber la rouquine, on va s'attaquer à la blondasse pipi. Ouais, c'est la plus mignonne. On va parler, et on va se la mettre dans la poche. Hein? On va faire ça avec Dina Caliente, je pense que c'est le mieux à faire. Je sais même plus qui elle est, elle, par rapport à Dina. Moi, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, elle est active, elle est amusieuse et romantique. Et romantique, mais c'est parfait, ça. Quelle est ta couleur préférée, ma petite Dina? Dina Caliente. Ta-ta-la-ta-ta-ta-ta. Elle aime pas la couleur orange. Ok, très bien. Combien te fasse, on va raconter des ragots. Elle est vachement plus agréable que... Katrina, ça, je vous le dis. Allez, on va illuminer la journée. On va discuter de son intérêt aussi. Et après, on la drague. Parce qu'à un moment donné, on va offrir une rose directe. Elle est romantique, ça devrait le faire. Assez rapidement. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà, t'as vu, ma chérie Ah, vas-y, tiens. Aïe, 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 elle est déjà enjouleuse et tout. Non, mais c'est facile. C'est trop facile. Ça se voit qu'il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait très chaud. Et chez les Caliente, il fait encore plus chaud. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir lui faire un gosse assez rapidement. On a déjà le premier baiser de dispo. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est cool. Et j'ai pas à la faire divorcer. Et ça, c'est vraiment génial. Hein? On va pas se le cacher. On va faire craquer dans la douche. On va faire craquer dans la douche. Ouais. Ah bah dis donc, plus celle qui prend les devants. Coquine, va. Le mec qu'elle vient de rencontrer il y a 10 minutes. Abusé. Bon, bah écoutez, vous allez me faire un bébé maintenant. Allez, un bébé dans la chambre. Je suis désolée, Katrina, tu vas rester sur le balcon un petit temps. Là, il y a un petit bébé qui est en train d'être fabriqué. Mais elle est passée. Mais elle est passée dans la chambre en même temps. Mais c'est pas possible. Mais ils sont graves. Ok, on va remettre ça avec Dina. J'espère que l'enfant n'aura pas les cheveux jaunes pisse. Hein. On va pas le faire. Ok, ça, c'est fait. Tu vas... Ouais, va aux toilettes, mon petit. Ah ouais... Excuse-moi, j'avais pas vu que la salle de bain était reliée aussi. Mais ça va, franchement, la baraque, elle est cool, hein. Tu vas prendre une douche, s'il faut bien ça. Où elle est? Où est ta future femme? La future mère de ton enfant? Elle est là. Elle est là, il faut que quand même on la baise passionnée, hein. Oh, ma chérie, je ne peux plus vivre sans toi. S'il te plaît. Voilà, épouse-moi, mes petites amies. Vas-y, petite amie. Bon, elle dit oui parce que c'est... On est bien, on est très très bien pour ce petit challenge, moi je vous le dis. Ah vas-y, rejoins le foyer. On va rejoindre le foyer. Ta-da-da-da-da. Et elle dit oui en plus, mais meuf, il est 23h, tu viens de nous connaître. Oh, quel plaisir. Alors toi, tu rejoins le foyer et on dégage les autres. Hein. Ah ouais, ah, par contre ils ont... Ah s'ils ont un peu de sous, mais c'est pas incroyable. Tu dégages les autres. J'ai pas envie qu'ils viennent nous emmerder dans notre quotidien, donc voilà, c'est bien. Bon, on n'est pas hyper riche. 28 500. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire aussi. Ok. Nous voilà dans le foyer. Tu peux... où est-ce qu'il y a une salle de bain? Tu peux voir si tu es enceinte, ma petite Dina, s'il te plaît. Oui, en plus, t'as envie d'aller pisser, c'est parfait. Dis-moi que t'as un bébé dans le bidou. Oui. Oui. Bébé en route. Bébé en route. Il suffira ensuite de se marier. Et d'adopter un animal. Voilà, parce qu'on a la maison. On a la maison, on a le bébé qui est en route. C'est parfait, écoutez, on est très très bien parti. Mon petit Jacob, tu es un virtuose. Voilà, c'est ce que je... Voilà, j'allais dire que ça. Elle est partie où? Elle est partie dormir là? Bah tu vas la rejoindre, voilà. Allez hop, va dormir avec ta femme, future femme. Et les autres, ils sont encore là, mais vous inquiétez pas, ils vont partir. Ça va, on a une grosse baraque en vrai. Ça va, la baraque, elle est ouf, hein. Tu revends la moitié, tu détruis la moitié, tu gagnes des sous. En fait, vous habitez plus là, les autres, là. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Juste comme ça, ça nous ferait gagner du temps aussi. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Vas-y, tu vas faire crac-crac avec Dina encore, hein, parce que bon, tant qu'à faire. Voilà, en pleine nuit, à 3h du matin, des envies comme ça, bah, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour brûlant des Calientes! Allez dormir, s'il vous plaît. Dormissez un petit peu. La musique, elle est même pas finie. Mais dors! Ah, c'est la musique! Bah oui, j'ai pas compris, j'ai pas vu. Allez hop, dodo, tout le monde. Bah oui, mais c'est l'autre, là, elle a essayé de saboter votre couple en allumant la musique. Et oui, bon, ça va, nickel, parce que elle travaille, elle ok. Lui non, mais c'est pas grave. Elle ira bosser, sans problème, elle va aller bosser. Est-ce que tu veux aller aux toilettes? T'as des toilettes ici. Allez, vas-y. Ah bah non, bah, elle va pas aller aux toilettes tout de suite, elle va aller bosser par contre. Ce qui est pas plus mal, hein. Oh, qu'elle dégaine. Et lui dort. Hop,
Non, mais on s'en fout, Nina Caliente. Non, non, on s'en fout, nous on dort. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est quoi ça? Cassez-vous, monsieur! Mais oui, mais on veut pas vous voir! Dégagez! Allez, tu fais ta vie, mon petit. Toi, tu vas travailler dur parce qu'il faut bien que tu gagnes un petit peu de. Un petit peu de thunasse, hein, pour le foyer. Voilà. Ça va, il a la belle vie, hein, Jacob, là. Hein. Il a trouvé une femme, il va être papa, il a viré la famille de la baraque. J'en peux plus, c'est le pire challenge ever. Bon, au moins, il fait le ménage, il est cool. Et en plus de ça, on a une méga gazinière qui vaut une blinde, hein. Moi, je dis, on est bien. Oh, mais il y a une chambre là aussi. Cette baraque est ouf, en fait. À quelle heure elle revient du taf? À 17h, ok. Tu pourras lui préparer un bon petit plat, je pense, hein, mon petit, là. Voilà, tu vas préparer un bon petit plat pour ta petite femme, servir le déjeuner, macaroni au fromage. Ça, c'est le plat de l'amour, ça. Voilà, regardez, elle va rentrer du taf, elle aura son petit plat à manger. Bon, elle a mangé, mais c'est pas grave. Viens, tu vas manger. Jacob, lui, est retourné jouer, et puis Dina, ben, elle va manger, elle pue, mais elle pue de ouf. Mais c'est pas grave, elle va aller se détendre après, on a une salle de bain ici, tu iras prendre un bon petit bain de mousse, ma cocotte, hein. Parce que c'est vrai que t'es enceinte, hein, donc il faut prendre le temps. Bon, notre petite, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, c'est Dina. Et ben Dina, elle a envie de divertissement, donc ben, Jacob, tu peux sortir ton artillerie. Je pense que ça va satisfaire tout le monde. Elle est déjà au deuxième trimestre dans 3 heures, ça veut dire que c'est genre à minuit, quoi. Bah d'accord, elle fait du sport. En étant enceinte, oui. Et puis alors là, l'orage dehors, c'est incroyable, hein. Mais on voit pas du tout qu'elle est enceinte, hein. C'est un truc de malade, hein, par contre. Deuxième trimestre dans 40 minutes. Mais oui! Donc 23 heures combien? Comme ça je sais à quelle heure elle va accoucher. Et bien troisième trimestre à 23h30. Elle accouchera à 23h30. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et là, elle est... ça va trop vite. Ça va trop vite. Tu peux aller retourner manger ma cocotte. Elle lui fait la vaisselle, c'est merveilleux. Ah par contre là, elle a du bidou, ça y est. Le bidou est arrivé. C'est très très bien. Et tu vas nettoyer ça. On n'oublie pas aussi qu'il faudra adopter un animal. Mais ça, je le ferai à la fin. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Tu iras aux toilettes après. Lui, bah il va nickel. Hein. Voilà, il va regarder la télé. C'est la belle vie. Il a une belle baraque. Il y a 4 chambres. Des énormes chambres en plus, j'ai envie de dire. Mais tous les soirs, elle change de lit, elle. En fait, elle se dit... j'ai tellement de chambres que je vais toutes les occuper. C'était mon rêve caché, mais j'avais de la famille. Maintenant qu'ils sont plus là. J'occupe tous les lits. Ah bah oui, c'est la fin. Oh, allez-moi ce petit bidou. Ah, elle est trop chou. C'est top, franchement. Elle va aller bosser après. Elle sera au top niveau. C'est bien, parce que bah lui, écoutez, il est pas chiant. Il est opportuniste, mais il est pas chiant. Il se met sur l'ordi et puis tout va bien, quoi. Allez, ma belle, c'est l'heure pour toi d'aller bosser. Gagne bien ta croûte. Et travaille dur. Ah, écoutez, on est vraiment, on a dépassé la moitié du temps, il reste 13 minutes. Mais j'ai envie de dire qu'on est plutôt bien, ça devrait aller. Hein. Il faut encore se marier, évidemment. On va se marier avant que l'enfant naisse. Il faut jamais se précipiter pour les mariages, parce que sinon les Sims refusent. Mais il pleut pas à l'intérieur, chaton, je sais pas pourquoi tu t'excites. Sale temps à Oasis Spring, hein. C'est vrai que t'es paresseux, vas-y fais-moi une petite sieste de la paresse extrême, là. Parce que t'as que ça à foutre de ta vie. Non, donne notario, on te connaît pas, on veut pas savoir qui tu es. Et toi, pourquoi? Qui c'est qui t'appelle? Envisages-tu de changer de travail? Ouais, vas-y, suis ton cœur, je m'en fiche. Eh ben voilà, une petite sieste et il n'y a plus d'orage. Ah bah ça y est, il est malade maintenant. Quand Dina revient, on se marie. Parce que, voilà. Enfin, du moins, tu la demandes en mariage. Oui, en plus, elle est revenue! Et elle a une promotion. Elle est devenue la vaisselle en chef. Quel plaisir. Tu vas aller faire un joli petit bisou à ta dulcinée. Oh ma chérie, tu es belle et douce comme une rose. Je veux toucher le bébou. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de toucher le bébou? Oh, il est tout petit, il n'est pas encore sorti. C'est incroyable. Tu vas prendre une pose sexy, tu vas lui dire que tu l'aimes très fort et que c'est pas du tout intéressé. Pas du tout. Et tu vas la demander en mariage parce que dans la cuisine comme ça, avec les pattes juste devant, c'est beau. C'est romantique. Alors? C'est un oui! C'est merveilleux! C'est merveilleux!
C'est merveilleux, c'est merveilleux. Eh ben écoutez, si on faisait quand même un petit truc pour le mariage, est-ce qu'on a un... Ouais, on va voir ça. Ah, j'ai pas beaucoup de place, je pensais que j'avais la place là. On va faire un truc pour le mariage. Je me dis que j'ai le temps. Peut-être que je suis en train de gâcher mon temps, il me reste 10 minutes. On va mettre une jolie arche. Écoutez, on va mettre ça dans le jardin. Hein. Soyons fous. Je vais virer ça. On va virer ça. On a le barbecue pour la bouffe, c'est parfait. On va mettre des bancs. Pas beaucoup, mais au moins on va inviter la famille qui viendra fêter le mariage. Et on va planifier tout de suite un mariage. Organiser un événement social, parce que tant qu'à faire. Elle a dit oui, donc on enchaîne. Direct. Alors, on prévoit un événement mariage. On enchaîne, vu qu'elle est OP. On est d'accord, on invite. Alors, cérémonie de mariage, on est OK. On va choisir les mariés, les témoins, on en a pas, on s'en fout. Par contre, on va faire des invités. Voilà, on va inviter la famille, la petite famille proche. Oh, le baiser conjugal, on va, voilà, jeter du riz, danse. Et voilà, et c'est pas grave, on s'en fiche. Et on fait ça à la maison, évidemment. Allez, c'est parti. Vous pouvez venir ici. Hop, vous venez tous là. Ça y est, on va se marier. C'est déjà la belle vie, hein, Dina. Tu pensais pas à te marier comme ça, sous la pluie. Bah, nous non plus, écoute. Mais bon, c'est comme ça. Allez, tu vas appeler tout le monde. Tu peux pas les appeler. C'est pas grave. Nous, on s'en fiche d'être ou pas. Ce qu'on veut, c'est on va échanger ses vœux et s'embrasser. Parce que c'est comme ça qu'on prévoit la vie. Magnifique. Bon, par contre, faut pas perdre trop de temps, parce qu'il reste 7 minutes et il faut qu'elle accouche et qu'on adopte un animal. Ah, elle est contente! C'est trop bien! Ça y est, on se passe enfin la bague au doigt. Jacob et Dina. Une histoire d'amour qui ne fait que commencer. Qui peut commencer très rapidement, mais... C'est beau! Est-ce que les gens sont absolument pas là? Ils en ont rien à foutre. Mais on s'en fout. Nous, ce qui compte... Oh, le mec, il a éternué. Oh, elle pleure, mais c'est trop cute. Bravo, vous êtes trop mignons. Eh ben, allez, hein, ça se fête, tout ça. Hein. Bon, les invités s'en fichent, alors nous aussi, et on va les fêter ça dans le lit. Normalement, il va lui rester presque 24 heures avant d'accoucher. Troisième trimestre en 2 heures, c'est ça. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Les invités sont tous sur les ordinateurs, ils s'en fichent royal de ce qui se passe. Bon, bah on va mettre fin à la cérémonie de mariage parce que ça a servi à rien du tout. Et comme ça, au moins, on pourra passer un peu plus rapide. Ça y est, elle accouche en 24 heures Sims. Ah là là, le petit bébé est en route. Ça fait plaisir, ouais. Il est hystérique, tu vas aller te calmer direct. Il faudrait pas que tu claques. Trop de bonheur pour ce garçon. Mais quoi? Sérieusement? Oh, viens ici, Dina! Essaie de sauver ton amoureux! Supplie-le, supplie-le, faucheuse, je t'en prie, là, parce que le challenge... Il faut qu'on gagne le challenge, là! Supplie-le, on vient de se marier! Allez! Ce challenge de la vie parfaite aura eu une fin absolument rocambolesque. Eh ben, rip Jacob, j'ai tout fait pour que tu sois heureux. Tu l'as tellement été que t'en es mort. Bah, c'est comme ça, maintenant. C'est la vie, hein. Voilà. Ciao. Le bébé arrive, le bébé arrive. On est à... Il nous reste 2 minutes. Voilà. On va prendre le premier truc qui arrive. Ouais, ça, je m'en fiche. Voilà, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on aura eu comme enfant, hein, si notre... Jacob avait survécu. Allez, va avoir un petit bébé.
C'est un petit gars. Et il s'appellera Magic, pour rendre hommage à son père, Jake. Jake est arrivé. Jake est là. Tu vas... Non, non, tu vas aller faire pipi. Ah bah non, on va se pisser dessus, c'est mieux. Et tu vas aller adopter rapidement, foyer, adopter un chien. Voilà, on va aller adopter un chien. On va prendre Asperge, c'est très bien, Asperge me plaît bien. Excuse-moi petit chaton, tu pleures beaucoup trop. Le chien est arrivé, super. Eh ben, on va l'adopter tout de suite. Il nous reste quelques secondes. Oui! Asperge fait partie du foyer. Ainsi que Jake. Mais Jacob s'en est allé. Et il reste encore 30 secondes de ce challenge. Bon, il est réussi mais raté aussi. Et puis il est très raté et réussi à la fois. Enfin bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Beaucoup trop d'émotions dans la vie, hein. Là franchement... Merci Pixia pour avoir créé ce petit challenge très rigolo. N'hésitez pas à le refaire à vous dans votre partie. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ou pas à faire de ce petit challenge en 30 minutes. Je vous embrasse et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao ciao !